Chers amis, je rêve du jour où je prendrai le micro pour parler positivement de la Palestine. Malheureusement, ce n'est pas aujourd'hui. Les Palestiniens sont les victimes du deux poids deux mesures au niveau international. Aujourd'hui, nos gouvernements en Belgique, en Europe, ne sont plus complices par leur silence, mais sont complices par leurs actes. Aujourd'hui, nous assistons à la poursuite judiciaire de militants qui appellent au boycott des produits israéliens. Nous assistons à un dénigrement sans précédent de citoyens, de militants qui crient haut et fort, qui condamnent la politique sioniste d'occupation que sommet Israël. Aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Les militants dont vous êtes, épris de droit et de justice, risquent d'être condamnés par nos propres gouvernements, alors que ceux-ci collaborent avec un gouvernement criminel. Nous serons là toutes les années, tous les 28 décembre, pour rappeler à notre gouvernement, pour rappeler à notre population, Gaza, on n'oublie pas. Gaza, on n'oublie pas. Gaza, c'est le symbole de tous les oubliés. Aujourd'hui, on n'oublie pas. Allez à la citoyens belges, détenus arbitrairement au Maroc. On n'oublie pas. Oussama Atta, citoyen belge, innocent, détenu en Irak. On n'oublie pas. Tous ces milliers de temps sans-abri qui dorment dans les rues. On n'oublie pas tous ces milliers de sans-papiers qui sont relégués à un statut non pas de citoyen de seconde zone, mais un statut de non-citoyen, un statut de rien du tout. On n'oublie pas tous ces jeunes discriminés. On n'oublie pas ce climat islamophobe qui règne dans nos rues, qui règne dans nos parlements, qui règne dans les médias. Aujourd'hui, nous sommes là, tous ensemble, pour crier Gaza, on n'oublie pas, nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Israël, casse-toi, Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi, Palestine n'est pas à toi.
Palestine. En Palestine. Cisjordanie. Cisjordanie. Et à Gaza. 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 Qui sont dans la misère, en récolte de la colère. Fait la différence entre les nazis et les allemands, on serait toujours en train de s'entretuer. Donc la seule façon d'arrêter la guerre, c'est ça aussi, hein, de faire la différence entre les sionistes et les juifs. On n'a rien contre les juifs, on en a contre les sionistes qui sont des racistes.